Êtes-vous correct? Oui, oui. Il semblerait qu'il y ait des morts avant la fin du quiz, après. Est-ce que vous êtes correct? Oui. Donc, pour ce qui est des règlements, donc, comme ce matin, je vais lire les questions à voix haute. Vous pouvez m'interrompre n'importe quand pour répondre. Pour ce faire, vous devez poser et attendre que je vous donne la parole. Au moment où je vous donne la parole, vous avez 5 secondes pour répondre. Les 5 secondes sont indiquées par la lumière sur le buzzer. C'est la personne qui a buzzé qui doit répondre à la question, même si vous avez le droit de vous concerter. Si la personne ne répond pas en 5 secondes, ce sera considéré comme une réponse incorrecte. Si je ne suis pas interrompue, lorsque j'aurai terminé de lire la question, le temps de réponse de 15 secondes sera laissé pour répondre. Si personne ne répond à l'intérieur de 15 secondes, la question sera annulée. Et pour les droits de réplique, la période pour répondre est de 10 secondes et non pas de 15. En ce qui concerne les questions logo, les logos se dévoilent un carré à la fois. Vous pouvez donner votre réponse quand vous voulez. Lors d'un droit de réplique, un seul carré supplémentaire sera dévoilé et vous avez un droit de réplique par question. En ce qui concerne les questions slogan, je dévoilerai le logo d'une compagnie et vous devrez donner son slogan. Finalement, Gabriel vous donnera le pointage à mi-parcours, c'est-à-dire après les questions à choix multiples. Elle le donnera également à la fin du quiz. Je vous rappelle qu'on est maintenant dans les rondes à élimination directe. Donc, s'il y a égalité, il y a jusqu'à 3 questions de départage pour briser l'égalité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair à ce stade? Tout est beau? Alors, on va commencer. En fait, j'ai une question. Oui. Est-ce que si c'est jusqu'à 3 questions, donc si une première équipe a la bonne réponse, ça se termine là? Non, 3 questions d'égalité. Si une équipe donne deux bonnes réponses par la suite, on arrêtera à 2 parce que on peut aller jusqu'à 3. Si vous voulez faire la troisième question, juste pour le plaisir, on pourra la faire aussi, ça ne me dérange pas. Ça marche? Alors, on commence avec les questions courtes. Question courte. Selon l'article Infopresse, June, le transporteur aérien pour Millenio, quelle destination sera servie par la nouvelle filiale d'Air France? Équipe 1? Porto. Porto est la bonne réponse. Question suivante. According to the infographic visual communication, the next step in marketing, what is équipe 8? 81%. 81% est la bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopresse, Femmes et Leadership, l'industrie est-elle en évolution? Quel est le premier programme philanthropique d'envergure de la marque L'Oréal Paris, lancé par l'équipe de Stéphanie Binette? Le temps est écoulé. La bonne réponse était « femme de valeur ». Question suivante. Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, comment appelle-t-on un inconfort du consommateur causé par les troubles post-achat? Par les doutes post-achat, pardon, équipe numéro 1. Dissonance cognitive. Dissonance cognitive est la bonne réponse. Question suivante. Vrai ou faux? Selon l'article Vanu rend hommage à l'art de donner vie au café, l'opération trace un parallèle entre le maître torréfacteur Vanu et certains des grands maîtres équipe 8. Vrai. Vrai est la bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopresse, selon 25 000 jeunes, les réfugiés sont les bienvenus et le changement climatique leur plus grand souci. Le changement climatique est identifié par les jeunes comme le problème mondial le plus grave devant les guerres et les inégalités. À noter que pour les jeunes canadiens, la pauvreté est jugée la plus préoccupante. 50 équipes 8. Vrai. Vrai n'est pas la bonne réponse. Question suivante. On est toujours dans les vrais ou faux. According to the infographic social media cheat sheet for users and brands, Instagram is used to share photos and 15-second videos. As équipe 1, vrai.
vraie est la bonne réponse. Question suivante, toujours dans les vrais ou faux, pardon. Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, les principaux critères de la segmentation des marchés de grande consommation se regroupent en quatre catégories. Équipe 1. Faux. Faux est la bonne réponse. Nous allons maintenant passer au choix multiple. Choix multiple. Selon l'article Infopresse, la vérité sur les moments de vérité, lequel n'est pas un enjeu émotionnel très fort? A. Se sentir guidé. B. Se sentir compris. C. Se sentir écouté. D. Se sentir bien conseillé. Équipe 8. A. A n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique, 10 secondes. Secondes sont écoulées, la bonne réponse était C, se sentir écouté. Question suivante, on est toujours dans les choix multiples. According to the infographic 2017 Marketing Trends, one of the most effective marketing tactics for companies in 2016 is A, newsletters or e-newsletters, 44%, B, public relations, 30%, C, white papers, 35% or D, trade shows, 40%. D. Équipe 1, D. D est la bonne réponse. On continue toujours avec des choix multiples. Selon l'article Infopresse, Sport Expert s'adresse aux petits et grands sportifs. Qu'est-ce qu'il faut amener pour que Sport Expert s'occupe du reste? A. Énergie. B. Équilibre. C. Persistance. D. Effort. Équipe 8. B. Vous avez dit B? B. B, équilibre, c'est la bonne réponse. On continue avec les choix multiples. Selon les principes du marketing par Strong et Cutler, il existe 6 stratégies d'ajustement des prix. Selon quelle stratégie une entreprise vend-elle temporairement les produits en dessous du prix de catalogue afin de provoquer à court terme une augmentation des ventes? A, équipe 8. C. C, promotion par les prix, est la bonne réponse. On en arrive au pointage intermédiaire, Gabriel. On continue avec les phrases trouées. Donc, je vous rappelle, pour les phrases trouées, vous devez me donner le mot exact qui manque dans la phrase. Première phrase trouée. Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, est un segment de la population sélectionnée, équipe 8. Échantillon. Échantillon est la bonne réponse. On continue avec les phrases trouées. Selon l'article Infopresse, Kanak mise sur la simplicité dans sa plus récente offensive. Équipe 1. Plomberie n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique, équipe 8, vous avez 10 secondes. Les 10 secondes sont écoulées, c'était 6$. On arrive à la question du slogan. Donc, je vous rappelle, je vous donne le nom d'une compagnie, je vous donne le logo d'une compagnie et vous devez donner le slogan. Donc, question slogan. Il ne reste plus de temps, c'est trop tard. Les temps sont écoulés. Excusez. On reprend. J'affiche le logo. Je vous devais donner le slogan. J'ai deux choses à faire. Le slogan était Your Vision, Our Future. Question suivante. La question suivante, c'est une question logo. Donc, je rappelle que je révèle le logo un carré à la fois.
Yamaha. Yamaha n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique pour l'équipe 1, je vais révéler un carré supplémentaire. Et vous avez 10 secondes. On va maintenant passer aux questions face à face, côte à côte. Je vais vous demander de choisir, je vais demander à chaque équipe de choisir un adversaire dans l'équipe adverse qui répondra aux quatre questions suivantes. Donc, équipe 8, qui choisissez-vous dans l'équipe 1? La personne au bout. Ok. Équipe 1, qui choisissez-vous dans l'équipe 8? Monsieur. Donc, messieurs, vous êtes les seules personnes à pouvoir répondre aux prochaines questions, incluant les droits de réponse. Il n'y a pas de droit de concertation. Les questions, c'est quatre slogans de logo. Donc, on va commencer, si vous êtes prêts, avec la question slogan. Je vous rappelle que j'affiche le logo d'une compagnie et vous devez m'indiquer quel est le slogan. Équipe 1. Vous avez plus d'argent que vous croyez. Vous êtes plus riche que vous croyez. La première réponse, c'est que vous avez plus d'argent que vous croyez. Ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique, équipe. Vous êtes plus riche que vous croyez. Vous êtes plus riche que vous le croyez est la bonne réponse. Face à face, slogan. Toujours face à face encore, question slogan. Deux autres questions face à face. Première question, logo. Donc, à nouveau, je vais dévoiler les logos un carré à la fois. Pharmascience. La pharmascience est la bonne réponse. Dernière question, logo face à face. Dame Pérignon. Ah, donc Pérignon, c'est une bonne réponse. Cela conclut les premières questions. Gabrielle, est-ce qu'on a égalité? Donc, équipe 1, vous êtes qualifiée pour les demi-finales. Félicitations. Équipe 8, félicitations. Bravo, je passe par ce tour. Good job. Merci. C'est un tirage. Pour quoi? Je
sais pas, en fait, ça, personne ne sait les prix. Ah, ok. C'est que genre, ça se trouve, vous allez gagner une voiture pour le prochain dimanche. Ouais. Je vais rajouter. Université, fais-tu aussi? Comme. Ben, toi, tu m'as dit, mais comme lui, il est vraiment, comme lui, il est délégué. Genre, moi, je suis. Aussi. Yeah. Rajouter des points. Hey, là, le prochain. La prochaine ronde, là, on commence avec les équipes 2 contre 1, les deux qui étaient ex aequo après la les deux premières rondes. C'est. Voyons. Kevin, Nguyen. Nguyen. Deuxième et troisième. Ceux qui étaient deuxième et troisième. Non, mais c'est tremblé des m'a laissé un message. J'ai raté 27 messages, là. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, qui a laissé un message. Urgence. Besoin d'aide, donc. Urgence, c'est